Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna Cake, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette des macarons à la meringue italienne. J'avais déjà posté sur ma chaîne une recette de macarons à la meringue française, mais aujourd'hui, je vais vous faire avec une meringue italienne. Donc, c'est parti pour les ingrédients. Vous aurez besoin de 135 g de sucre glace, de 135 g de poudre d'amande. Vous aurez besoin également de 2 fois 50 g de blanc d'œuf, de 135 g de sucre en poudre et de 50 ml d'eau. Pour le matériel, il vous faudra un mixeur, vous aurez besoin d'une poche à douille, vous aurez besoin d'une petite douille unie, de tapis à macarons ou de papier cuisson, d'un thermomètre de cuisson et d'un saladier. Voilà, ça c'est les tapis de macarons. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien faire sur du papier cuisson. Alors, on va procéder à la première étape. On va venir mixer le sucre glace et la poudre d'amande ensemble. Donc, c'est une étape importante de les mixer et de les tamiser. Ça vous permettra d'avoir des coques de macarons bien lisses. C'est plus joli. Donc, on mélange les deux poudres, on va venir les mixer. Donc, on va mixer par petits à coups. Hein. Il ne faut pas mixer trop longtemps, sinon vous allez chauffer la poudre d'amande et ça va faire ressortir le gras de la poudre. Donc, on va mixer par petits à coups et n'hésitez pas à venir secouer comme ça de temps en temps le mixeur. Voilà, vous voyez comment je fais. Voilà, des petits à coups de vraiment quelques secondes. On arrête, on remet encore quelques secondes. Voilà, on fait ça 4, 5, 6 fois, pas plus. Ça devrait suffire. Voilà, donc quand on a fini de mixer nos poudres, on va venir les tamiser. Donc moi, je les tamise en deux fois. Donc pareil, c'est très important de tamiser les poudres parce qu'il reste toujours des petits grumeaux de poudre d'amande qu'on n'arrive pas à mixer et qu'il faut absolument... Il faut absolument enlever pour avoir pareil des belles coques de macarons. Vous verrez à la fin l'importance de faire ces deux étapes. Voilà, donc vous voyez, voilà, il reste toujours comme ça des petits grumeaux qu'il faut enlever. Et on voit bien la différence, hein. On voit vraiment qu'on a une belle poudre bien fine, bien mixée, bien tamisée. Donc voilà. Donc là, pareil, on va enlever les petits grumeaux qui restent. On voit bien que c'est vraiment une belle poudre bien fine. Voilà, c'est très important. Ces deux étapes-là sont très importantes. Donc, deuxième étape, on va venir s'occuper donc du sirop. Donc, vous allez venir verser le sucre en poudre dans la casserole d'eau avec les 50 ml d'eau. On va utiliser également les blancs d'œufs. Donc on va prendre les deux quantités de blancs d'œufs. Donc on va prendre une quantité qu'on va mettre, on va verser directement sur les poudres qu'on vient de mixer et de tamiser. Et la deuxième partie, on va la verser directement dans la cuve du robot. Donc celle-ci, on va la fouetter tout à l'heure pour les monter. Voilà, donc tout est prêt. On va pouvoir maintenant venir cuire notre sirop. Donc là, comme vous voyez, la caméra en fait s'est éteinte et j'ai pas vu que ça ne filmait pas. Donc là, j'ai juste mélangé les blancs d'œufs avec la poudre d'amande et le sucre glace. Voilà, vous mélangez bien. Et vous réservez de côté. On va s'en servir un peu plus tard. Et là, donc on va venir préparer le sirop pour faire la meringue. Donc mon sirop commence à chauffer. Donc là, je suis à feu moyen. Je suis à 5 sur 10. Et donc, avec le thermomètre, on va venir surveiller
la cuisson. Donc ne pas dépasser, surtout ne pas dépasser les 118 degrés. Donc c'est pour ça que moi j'arrête à 116 pour être sûr d'être dans la bonne température. Et lorsque votre sirop atteint les 100 degrés, vous pouvez commencer à fouetter les blancs. Donc là, voilà, j'étais à 102. J'étais à 102, donc j'ai commencé à petite vitesse. Parce qu'au moment où on va verser le sirop sur les blancs, il faut que nos blancs soient bien mousseux. Donc on surveille bien la température. On cuit notre sirop à 116 et on va venir ensuite le verser directement sur les blancs. Donc pareil, vous ferez bien attention de ne pas verser directement sur les blancs ou sur le fouet, parce que vu que le fouet va être en mouvement, le sirop va gicler sur les parois de la cuve et vous n'aurez pas la bonne quantité de sirop pour votre meringue. Donc c'est très important de verser en petits filets directement sur le coin de la cuve. Vous allez voir en vidéo comment je vais faire. Là, je sais pas, on voit pas bien là le thermomètre, on voit pas bien, je suis un peu loin. Donc voilà, on voit que les blancs commencent à bien mousser. Mon sirop est bientôt cuit. Voilà, une fois que commence à avoir commencé à de la vapeur, c'est que le sirop est quasiment cuit. Donc voilà, là je suis à 116 degrés, mon sirop a atteint les 116 degrés et je vais venir verser en petits filets sans s'arrêter contre la paroi de la cuve. Voilà, comme ça, on y va doucement. Voilà, vous voyez là, je ne touche ni le fouet et je ne verse pas directement sur les blancs. Donc il est important que les blancs soient bien mousseux avant de verser le sirop. Voilà, donc là j'ai tout versé. Si vous pouvez avec une maryse venir corner le reste du sirop, c'est important de récupérer tout le sirop. Donc là voilà, c'est fait. Maintenant on va laisser la meringue tourner tranquillement, monter tranquillement. Donc comme il y a une petite quantité d'œufs, donc n'hésitez pas de temps en temps à venir soulever un petit peu la cuve du robot pour que le mélange se fasse correctement. Donc là, on va laisser monter la meringue tranquillement et on va venir préparer notre matériel. Donc on a déjà notre pâte de tout à l'heure avec les poudres et les blancs d'œufs. On va venir mettre la douille dans notre poche. Faites attention quand vous découpez de jeter tout de suite le plastique, le bout de plastique qui reste. Et là, vous allez venir enfoncer un petit peu la douille dans la poche dans la douille. Voilà, c'est important de le faire. Comme ça, quand vous verserez votre préparation dans la poche, elle ne s'échappera pas. Donc moi, je me sers d'un verre, toujours, pour y mettre ma poche pour pouvoir verser après tranquillement ma préparation. Et là, je continue à surveiller ma meringue. Donc, on voit que la meringue s'est bien épaissie. Elle a bien refroidi aussi. Donc, vous touchez bien la cuve en bas pour voir si elle s'est bien refroidie. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Et n'hésitez pas à venir corner de temps en temps votre cuve pour bien récupérer tout ce qui reste collé sur les parois pour avoir un bon mélange. Donc là, on voit que ma meringue est quasiment prête. Donc là, maintenant, si vous voulez colorer vos macarons, c'est à ce moment-là qu'il faut ajouter le colorant. Donc attention de ne pas mettre de colorant en poudre, sinon ça va liquéfier votre meringue et ça va transformer la texture de la meringue. Donc il est important d'utiliser des colorants en poudre ou des colorants en gel. Très important. Donc c'est à ce moment-là que vous le rajoutez et vous remettez à fouetter encore quelques secondes. Donc on va vérifier si la texture de la meringue est bonne. Pour ça, il faut qu'elle forme un bec d'oiseau. Si votre meringue forme le bec d'oiseau, pardon, c'est que la meringue est prête. Voilà, on voit bien là la forme du bec d'oiseau. Je vais vous remontrer. Voilà. Donc elle n'est pas liquide, hein, parce qu'elle ne coule pas.
Donc le bec d'oiseau reste bien formé. Donc là, on arrête. Votre meringue est prête. Donc ensuite, on va venir prendre un peu de meringue, une bonne cuillère de meringue. Donc là, je vais vous montrer la meringue. Voilà, vous voyez, on obtient vraiment une belle meringue, bien brillante, bien ferme. Donc c'est un peu long, hein, ça demande entre 10 et 15 minutes, mais c'est vraiment important qu'elle soit bien ferme et bien brillante comme ça. Donc on vient mettre un petit peu de la meringue directement sur la préparation et on va venir mélanger vigoureusement. Donc n'ayez pas peur de mélanger bien vigoureusement. Là, c'est vraiment pour détendre un peu la pâte, comme elle est bien épaisse. Donc on met un petit peu de meringue pour la détendre un petit peu. Donc on mélange bien fort. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre tout le reste de la meringue en une seule fois. Donc vous mettez tout, vous cornez bien votre cuve. Et là, par contre, on va y aller délicatement. Donc on va venir ce qu'on appelle macaronner. Donc on va venir bien incorporer les poudres dans la meringue. Donc pour ça, vous faites le même geste que moi. Donc vous tournez comme ça avec la meringue, tournez en même temps le saladier et vous venez écraser contre les parois du saladier. On aurait pu faire aussi le mélange dans la cuve du robot directement. Moi, j'ai fait dans le saladier. Donc, on continue bien comme ça. Vraiment, le plus important, c'est de bien écraser contre les parois pour bien incorporer les poudres à la meringue. Et on continue comme ça, ainsi de suite, pendant quelques minutes. Et on vérifie de temps en temps qu'on a obtenu la bonne texture. Donc, pour avoir la bonne texture, il faut, voilà, comme ça, avec la marise, prendre de la pâte comme ça et la laisser couler. Donc si vous voyez qu'elle forme un ruban qui coule bien, donc c'est que votre meringue est prête, c'est que votre pâte, pardon, est prête. Si vous voyez qu'elle est encore trop épaisse et qu'elle casse en tombant, c'est qu'il faut continuer à macaronner. Donc là, moi, je continue à macaronner, à bien écraser comme ça contre les parois du saladier, très important. Donc, il faut vraiment avoir une texture bien souple. Il ne faut pas que votre pâte soit trop épaisse et surtout pas qu'elle soit trop liquide. Si elle est trop liquide, elle est vraiment foutue. Vous n'allez pas pouvoir l'épocher. Elle va s'étaler à la cuisson. Ça va être une catastrophe. Donc, vraiment, faites très attention. Allez-y vraiment doucement et testez de temps en temps le ruban pour être sûr que vous avez la bonne texture. Là, on voit qu'elle est encore un petit peu épaisse. Voilà. Donc je vais continuer encore un petit peu et après j'arrête. Voilà, donc là déjà elle est déjà bien plus liquide que tout à l'heure. Elle forme quand même le ruban, voilà. Donc là moi je vais arrêter. Parce que je veux vraiment pas qu'elle soit trop liquide. Et je vais venir donc garnir ma poche à douille. Donc moi je vais le faire en deux fois. Parce que j'aime pas trop remplir mes poches à douille. Parce qu'après c'est un peu compliqué à pocher. Donc je préfère le faire en deux fois pour avoir plus de facilité au moment du pochage. Donc on en met à peu près la moitié. Avec la quantité que je vous ai donnée, avec les ingrédients que je vous ai donnés, vous allez pouvoir faire environ 65 coques de macarons, donc ce qui vous fait à peu près 30, 32, 33 macarons, à peu près. Donc si c'est une trop grande quantité pour vous, bah, vous divisez les quantités par deux et vous en faites que la moitié. Donc voilà, là je vais venir maintenant commencer à pocher mes macarons. Donc tout est prêt, mes plaques avec mes tapis de macarons. Voilà, donc on déroule. Et on va venir pocher. Donc pour pocher vos macarons, donc vous allez venir exercer une légère pression donc avec votre main droite. Vous lâchez la pression une fois que vous avez la bonne quantité de pâte et vous tournez. Et ainsi de suite. Donc vous continuez comme ça. Donc voilà. On exerce une pression, on relâche la pression et on tourne. Donc il faut bien rester bien droit sur la plaque. Votre poche, il faut vraiment qu'elle soit bien droite. Et ainsi de suite. Donc voilà. Une fois que vous avez poché tous vos macarons, donc il est important de bien venir taper votre plaque comme ça sur votre plan de travail. Donc c'est important parce que ça va chasser les bulles d'air et vous allez avoir des coques bien uniformes, bien lisses.
Donc on le fait plusieurs fois, on n'hésite pas à tapoter, hein. Vous allez voir que les bulles d'air vont éclater. Et on continue, donc ainsi de suite, tout le reste de la pâte. Voilà, vous voyez. Et la main gauche, elle vous sert vraiment pour stabiliser, hein. C'est ce qui va vous aider à stabiliser votre main droite et pour pocher correctement vos macarons. Donc voilà, on appuie, on lâche, on tourne, on appuie, on lâche, on tourne. Mais vraiment, les macarons, c'est plus vous allez les faire et plus vous allez avoir de la facilité. Et vous verrez que ça c'est vraiment l'expérience qui permet de faire des beaux macarons. Donc là, j'ai fini de pocher toutes mes plaques. Une fois que vous avez fini de pocher les plaques, à ce moment-là, vous préchauffez votre four à 145 degrés, chaleur tournante. Pas avant, parce que les macarons ont besoin de croûter un petit peu. Donc, on préchauffe le four une fois que vous avez fini de tout pocher vos macarons. Donc, quand le four est bien chaud, pardon, donc vous venez les enfourner donc à mi-hauteur. C'est très important de ne pas enfourner vos macarons trop haut ou trop bas dans votre four. Sinon, à la cuisson, ils vont craquer. Donc, important de bien les mettre à mi-hauteur. Et on enfourne pour 15 minutes. Donc, moi, mon four, c'est 15 minutes à 145 degrés. Ça dépend des fours. Ça peut être 150 ou 145. Donc, à 5 minutes de la fin de la cuisson, pensez à ouvrir votre four et à le refermer. Ça vous permettra d'évacuer l'humidité qu'il y a dans le four parce que les macarons n'aiment pas du tout l'humidité. Donc là, ça fait 15 minutes que mon macaron sont dans mon four. Donc, pour tester si la cuisson est bonne, donc vous essayez de décoller vos macarons. S'ils se décollent facilement, c'est que la cuisson est terminée, ils sont cuits. S'il reste encore collé sur le tapis ou sur le papier cuisson, remettez encore 1 à 2 minutes dans le four, c'est qu'ils ne sont pas assez cuits. Donc là, vous avez vu, moi, ils se décollent vraiment très bien tout seuls. Donc voilà, donc là, moi, j'ai cuit toutes mes coques de macarons. Je les laisse bien refroidir. Il faut bien les enlever de la plaque après la cuisson pour bien les laisser refroidir. Vous faites cuire toutes vos plaques comme ça. Et voilà, vous obtenez vraiment des belles coques de macarons bien lisses. On a une belle collerette. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Il faut vraiment bien suivre les étapes de la recette. Voilà. Vous voyez, on a vraiment une coque bien lisse, une collerette qui est très bien formée, des macarons qui sont très très faciles à faire. Donc vous les laissez bien refroidir. Vous pouvez les mettre au congélateur dans une boîte hermétique. Vous pouvez les garder plusieurs jours, plusieurs semaines sans problème. Vous mettez une ganache de votre choix, ganache au citron, chocolat, ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.